Après un CPI qui est en ligne. Franchement, j'ai jeté un coup d'œil rapide, mais il est en ligne, c'était il y a 2 heures. On a un Nasdaq et un SP qui a fait un wash and go, comme on dit. Haut, bas et re-haut. Et on est revenu au point de départ. On n'a pas des grandes amplitudes. J'ai branché la caméra pour faire le dernier trade de la journée. Je veux toucher un trade, faire 2 ou 400 dollars, entre 2 et 400 dollars, et j'arrête, je ferme. Là, on est en train de revenir sur le haut d'une single. On est en phase plutôt de reprise haussière, et en même temps d'indécision. Et là, on a eu une accélération haussière. Ça fait déjà plusieurs fois. On revient sur un espèce de point dur en haut de cette single, là. Donc ça va se décider, soit ils vont tout péter au sud, parce que le point ne va pas tenir, et on va redescendre tout en bas de la single print, et on va même casser le bas de la single print ici, et se casser la gueule. Soit le point dur là ici, il tient, c'est relancé, mais vous voyez les grosses absorptions d'achat qu'on a à chaque fois ici vers 845, vers 485, ça c'est très mauvais, ça c'est pas bon signe. Même ici, hein, vers 490. Bon, en attendant, on fait des allers-retours entre voilà, ici et ici, là, vous voyez, tac, 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 tac. Voyez ce que je veux dire? Ah, merde. Point et ça me saoulerait. Alors en plus voilà, ça casse. Et j'étais en train de me dire ouais, ça sent pas bon. Ça casse mais ça rejette. Allez, là j'achète parce que vous voyez la réjection de la cassure là. Peut-être aller dans la liquidité là-haut là. Voilà. Ouais, c'est plus, il est chiant. Il est chiant. Il virevolte. Il a du mal à monter. Hein. Bon, allez, je sors. Ah putain. C'est incroyable. Je suis sorti. Et une belle réjection ici hein, quand même. Écoute, je vais quand même essayer de rentrer un contrat à l'achat. Non, ça passe pas. Allez, les gars. Beaucoup de vendeurs dans le carnet, ça passe pas. Tra. Et je le scratch encore celui-là, putain. Allez, on va essayer, on va retenter le coup. Là, il y a des acheteurs qui rentrent, là, enfin qui se mettent. Allez, allez, on pète les vendeurs dans le carnet, là. On les pète, on leur pète la gueule. Allez, on les soulève, on les soulève. Comme dans un octogone de MMA. Allez, on les soulève. Voilà, c'est bien. Allez, 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 c'est bien. On les soulève, on les soulève. Eh, ça va pas loin, hein.
Ça va pas loin. Putain. Stop win. Bon allez, j'en refais un comme ça et j'arrête. J'aime pas du tout. C'est trop saccadé. Y a pas assez d'amplitude dans les mouvements. Mais bon, vous voyez le principe là, on est sur un beau niveau, on est sur entre deux single print là, il y a eu une belle réjection, une grosse absorption des ventes ici, donc un beau signal d'achat. Donc j'ai acheté, mais attention, on voit quand même que ça a du mal à monter, donc je me méfie énormément. Ici aussi, hein, d'ailleurs, dans l'autre sens, il y a eu la même chose. Hein. De toute façon, il est comme depuis tout à l'heure, le Nasdaq, c'est ça. C'est un coup, je te fais un truc en haut, un coup, je te fais un truc en bas. Bah, on a eu une grosse absorption des ventes et une réjection en haut, des achats et une réjection en haut. Et là, on a eu une grosse absorption des ventes et une réjection en bas. Donc, paf, paf, on a fait deux V-reversales à quelques minutes d'intervalle, et ça reflète tout à fait le Nasdaq aujourd'hui. Infernal. Il y a beaucoup de liquidités. Je pensais qu'ils iraient la taper là-haut, là, mais. J'ai acheté ici là. Ok, c'est bon. Faire stop plus 1. Allez, cette fois on y va, on soulève. Allez les gars, cette fois-ci on y arrive. Allez, puis il y a ce point-là à passer qui va être compliqué. Allez, si on le passe, il y a des stops au-dessus par contre. On va mettre un trailing stop, enfin on va l'avancer à 100 balles. Alors, est-ce qu'il casse les stops? Non. Allez, je sors. Hop, parce que non seulement il y a les stops qu'ils n'arrivent pas à péter, mais en plus il y a des hauts ici, swing. Donc même s'ils arrivent à passer, ça va peut-être être compliqué. Je préfère sortir maintenant. Bon bah voilà, j'ai fini ma petite session. J'ai fait. Bon, est-ce que vous avez vu le principe? On traite ce qu'on voit. Bon, ils vont certainement continuer et je vais m'en vouloir, mais ça, c'est pas grave. Je retourne sur ce qu'on a vu. Ici, on a un gros niveau. On a une belle single print. Je vous montre dans Sierra Chart. Je vous ramène Sierra Chart par là. Voilà. On va mettre ce graphique-là. Voilà. On est en train de travailler depuis tout à l'heure. Voilà. Ce rectangle orange ici et ce rectangle vert ici, plus l'IB haute ici, plus ici c'est excusez-moi, c'est le POC TPO, excusez-moi. Donc là, ici, on a, je vais vous le marquer avec un rectangle, ici, on a une belle zone d'achat. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe sur cette zone d'achat depuis tout à l'heure? Ça n'arrête pas de mécher acheteur. D'accord? D'ailleurs, des petits scalps à l'achat, j'en ai fait ici. Bam, 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 bam. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu en plus de ça maintenant? Non seulement ça, c'est le quadrillage du terrain, mais dans l'order flow, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu cette phase-là qui a été impressionnante. Vous vous remettrez la vidéo ici. C'est un magnifique V reversal avec une grosse absorption des ventes ici, vous voyez tout en bas, sur exactement la zone que je vous montre où on mèche depuis tout à l'heure, d'accord? Toute cette zone-là, d'accord? Donc, j'ai fait, suite à ce signal pour moi qui est un signal d'achat, des petits achats, mais comme le Nasdaq aujourd'hui il est un peu chiant et qu'il a du mal à partir, on s'est fait soit stopper à zéro, soit fait des petit stop win de merde. On a réussi à faire réellement que deux plus ou moins beaux écarts avec seulement un contrat, mais c'est suffisant pour faire 415 dollars. Donc on va pas se plaindre, d'accord? Voilà. Mais c'est une phase de marché bien que chiante parce que l'action des prix est nous donnant peu d'amplitude, c'est quand même une phase intéressante par rapport à la pattern order flow qu'elle nous montre.
surniveau. Très intéressant donc. C'est là qu'on voit que la combinaison entre incarné et bookmap, ou bookmap tout seul si on traite dans bookmap, est formidable. Qui est joli. Ah voilà, ça y est, ça. Alors là, je l'ai pas vu venir. Et pourtant, il monte tellement difficilement depuis tout à l'heure qu'on aurait pu se dire, ouais. Il n'y a rien de spécial à part SD3, SD4. Il va peut-être retracer un petit peu. Ça peut être une belle accumulation acheteuse, ça, ce balayage. Hein. Mais pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on est en dessous le point de départ, là, c'est plutôt vendeur. Mais si on repasse au-dessus, ça, c'est un gros, gros signe acheteur. Ah, ça y est, ils sont en train de repasser. Il y a des gros vendeurs qui rentrent. Oh, ils n'ont pas voulu me faire. Allez, fais-moi. Voilà, c'est bien. J'ai été exécuté très bas. Et du coup, je vais être obligé de sortir rapidement parce que j'ai pas un bon point d'entrée. Allez, il faut qu'il casse ça là. Allez, s'il casse ça, on pourra tenir le trade, sinon non, c'est mort. Non, ils tiennent. Allez, hop, on sort. Bon, écoutez, vous avez vu là, il y a eu un beau signal short, hein, en deux temps. 1 et 2. Ok. Bon, c'est pas une session de scalping formidable, les amis. Hein. Je vous avoue que c'est pas la session de l'année. Hein. Bah bon, je suis honnête. J'ai décidé que je filmerai. Bah, je vais vous montrer ce que j'ai filmé. Il y a longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Bon, bah voilà. Hein. C'est pas toujours très glorieux. La preuve. Bon, on s'en sort quand même gagnant. Hein. Il n'y a aucun souci. Heureusement, d'ailleurs. Mais c'est compliqué, hein. C'est une action des prix, moi, que j'aime pas trop, ça. Allez, bisous, les amis. Bisous, 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 bisous. Bon, on est le soir, là, il est presque 21h. J'ai refait 2-3 petits trades, là. Je suis à 605 $ de PNL. Petite journée, donc. Et je me suis dit, je vais, comme j'ai l'intention de refaire un scalp ou deux, je me suis dit, ben, on va aller filmer. Il reste plus que 15 jours de trading avant la fin de l'année, donc je vais refaire quelques petites vidéos. Là, on est en train de travailler sur une toute petite single print qu'on a depuis le 18 janvier. Depuis le 18 janvier, non, depuis le 18, pardon, décembre. Non, depuis le 18 janvier 2022, c'est bien ça. Un truc très ancien qu'on est en train de revenir travailler sur le Nasdaq. Là. Et là, bah, on vivotait juste en dessous depuis un moment et on vient de la casser. C'est justement ce que j'anticipais, c'est pour ça que j'ai branché la caméra. Alors on est en train de la casser. Je pense qu'ils vont peut-être revenir tester. Et si jamais ils reviennent tester, on aurait peut-être un petit point d'achat par là. On va voir. Parce que c'est aussi aujourd'hui, hein, même s'ils montent en zigzag, c'est aussi. Alors je vais rentrer en plusieurs fois, hein, comme ça je vais faire plusieurs entrées si jamais j'ai besoin. Donc voilà, ils sont en train de retracer la cassure et le tout c'est de voir sur ce retracement si les vendeurs s'épuisent à un moment donné et si les acheteurs reviennent. Là, vous voyez, on est en train de revenir tester le... Ça, c'est un beau point d'entrée, je trouve. Attends, je vais mettre un ordre.
À 34, voilà, j'ai été pris. J'ai mis un ordre par là, j'ai été pris. Ah, il y a pas mal de vendeurs dans le carnet là. Il faudrait qu'on rentre dedans. Ça serait bien. Sinon, ça va être mort. Ils sont en train de réintégrer. On va voir si ça tient ou pas. Ça a pas mal tenu. Maintenant, il faut qu'ils arrivent à passer ces vendeurs qui sont dans le carnet là. Qu'ils n'ont pas réussi à passer tout à l'heure. Petite absorption des ventes là, mais il y a beaucoup de vendeurs, vous voyez, on les voit encore là. Il y a beaucoup de vendeurs dans le carnet, c'est ça qui empêche les prix de passer. Et après, ils réattaquent derrière. Ouais, non, je suis pas convaincu de ce trade. Je vais le scratcher, je pense. J'attends un petit peu, je lui laisse une dernière chance. De soulever un petit peu l'asque. Si ça passe pas, je vais le scratcher. Allez, faut soulever ça là. Allez, allez, faut soulever. On va zoomer un peu. Faut soulever tout ça, les gars. Ça a du mal, hein. Ça passe pas. Ouais, je vais le scratcher. Je vais le scratcher ce truc. J'ai pas confiance. Allez, soulevez. Ils ont du mal à. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, ça soulève, ça soulève. Ça y est. Ah putain, non. Ah, c'est vraiment du zigzag aujourd'hui. Ça soulève, après ça retrace. Allez, on soulève. Écoutez, avec un contrat, c'est bien, c'est déjà pas mal, 50 balles. Avec un contrat, je trouve que 50 balles, c'est pas déméritant. Comme premier petit scalp, ça sera bien. Je vais en refaire un autre, j'avais dit j'en ferai deux ou trois. Et vous voyez là, dans le MBO Data de Sierra, je vais vous montrer, on a beaucoup de liquidités. Au nord, là, on a des gros, gros, gros acteurs au nord prêts à se faire exécuter. Je vais vous montrer. Vous voyez ici, là, tout ça, c'est des ordres, ce sont des gros acteurs dans le MBO Data. Il y en a beaucoup plus au nord qu'au sud. Ils sont. En plus, n'oubliez pas qu'on est en période de rollover. Donc ça, c'est de la liquidité, c'est du roulement de contrat, tout ça. C'est assez typique. Et d'ailleurs, l'action des prix qu'on a aujourd'hui, très en zigzag, c'est assez typique de ces semaines de rollover. Et on est en fin de rollover. Hein. Moi, j'ai déjà roulé de contrat hier. Hein. On est en plein dedans, en fait. Donc, je pense qu'on va continuer à monter comme ça en zigzag et qu'on va rentrer. Vous voyez, toute cette liquidité, là, on va rentrer dedans. À mon avis, elle est vouée à être exécutée ce soir ou demain, cette liquidité. Ça, c'est une certitude.
C'est pour ça que je suis acheteur, hein. Je continue à acheter. En fait, je ne fais quasiment que des achats aujourd'hui. Et ça marche très bien. Donc là, vous avez vu, j'en ai refait un. Je vous ai réexpliqué pourquoi. J'attends des retracements sur des points clés. Et j'attends qu'on rentre dans cette liquidité. Là, vous voyez tous ces gros acteurs qu'on a là dans Bookmap. C'est une action des prix. Il faut, à partir du moment où on a identifié, hein, on scalpe en conséquence. Hein, on ne s'attend pas à faire des mouvements de 80 ticks en 15 secondes. Non, c'est pas le thème du jour. C'est pas le thème du jour. Là, on a une grosse absorption des achats. Je me suis mis un ordre de vente. J'ai été exécuté, c'est juste pour faire quelques tics. Pareil, hein, ça se joue, ça. Allez, c'est bon. 40 balles. Vous voyez, on avance petit à petit comme ça. On est presque à 700 balles. J'ai commencé à 600. Ça fait même pas 5 minutes. On est bien. On est bien. J'aurais même pu rester. Regardez. Belle absorption des achats. Et après l'absorption des achats, il y a des vendeurs qui sont rentrés dans le carnet. Je les ai vus ici, là. Bref, c'est un petit setup tranquille. Et pourtant, c'est très contrarien. Là, c'est pas un achat, c'est une vente. Et même en faisant du contrarien, vous voyez, on peut se faire des petits contrariens proprement, sans stress. Bon, écoutez, on est presque à 700 dollars. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais clôturer cette fois-ci définitivement la vidéo. Vous voyez, elle est vraiment pas loin, la liquidité dans le MBO, là. Elle est vraiment pas loin. Je vous garantis qu'on va y aller. Je vous garantis qu'on va y aller. En fait, c'est là, hein, tous ces gros acteurs là, ici, là. Je vous garantis que ça, c'est sûr, on va y aller. Maintenant, on va pas y aller en ligne droite. C'est pas la journée à faire ça. Donc, c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu relou, quoi. S'il pouvait me redonner un point d'achat là, s'il pouvait retourner vers 34, 35 par là, là. J'essaierai de prendre un achat, je pense. Ça tient bien là. Ouais, ça tient bien. Je vais essayer de rentrer. Parce que là, vraiment, ça tient bien. Donc, je suis rentré à l'achat. Allez, soulevez-moi ça, les gars. Je fais un dernier petit scalp à l'achat, là. On soulève ça, la petite résistance qui est là. Non, ils veulent pas. Ok, bon, alors attention. On va pas se faire scratcher. Allez, on y va, on y va. Soulevez-moi ça. Allez, c'est bien. Voilà. Allez, on soulève, on soulève, on soulève. Attention, parce que j'ai une VP30 ici. Et ça risque de faire barrage. Ok, on l'a passé comme du beurre. Bon, bah, voyez, la liquidité, on y va là. Vous pouvez être sûr que c'est là qu'ils vont. Ils vont commencer à aller la taper. Moi, je vais sortir de ce trade avec 100 balles, parce que ça me suffit.
retrace, hein. Ça retrace vraiment bien à chaque fois. Hein. Regardez-moi ça. Bon, c'est un beau trade que j'ai fait, mais je me suis un petit peu endormi sur la sortie. Allez, je sors. Je me suis endormi sur la sortie. C'est de ma faute. Amateurisme, amateurisme. J'aurais dû sortir, là. Franchement, je me suis endormi. Bon, bah, je suis plutôt pas mal. Hein. Je suis plutôt pas mal. Je sais pas pourquoi. Pourquoi je suis pas sorti là-haut. C'était évident. Ah, attention. Ça, c'est un beau signal, ça. Il y a beaucoup de vendeurs, regardez-moi tous ces vendeurs dans le carnet, mais en fait qui sont voués à être exécutés. Faut pas avoir peur de rentrer sous eux, faut pas avoir peur de rentrer. Tiens, attention, regardez celui-là là. Ah, j'ai pas été pris. Regardez celui-là, il recommence. Tout à l'heure, ça a fait 10 ticks en ligne droite dès qu'on est venu le toucher. Là, on est venu le toucher, j'ai voulu acheter pour faire 5, 8 ticks, 10 en ligne droite, comme il a fait là, mais ils sont pas venus m'exécuter. Et je me méfie aussi parce qu'ils sont capables de venir paf, le frapper d'un coup, là, boum. D'ailleurs, voilà, c'est ce qui se passe. Voilà, ils l'ont frappé, ils ont même tout exécuté, donc attention, si ça réintègre pas, ça risque de casser. Voilà, ça casse. Maintenant, il faut que ça réintègre, sinon ça va casser, casser, casser. Ça, c'est vraiment des micro scalps. Hein. Donc, je vais pas prendre un risque pour ça. Sauf qu'on est en train de bien tenir la zone. Hein. Ah là, il y avait un point d'entrée, si, si. Ah ouais. Bon, écoutez. Et ils vont y aller tout droit. Hein. On voit bien, cette liquidité, elle est faite pour être exécutée. Aujourd'hui, cette semaine, c'est la dynamique. Bon, écoutez, moi je vais aller. Il est presque 9h. Je voulais refaire un ou deux scalps. Voilà, c'est fait. Je vous laisse tranquille. Et moi je vais me poser. Je pense que je vais fermer la plateforme. Et c'est très bien comme ça. Allez, bisous les amis. Ciao. Allez, on va scalper la close, la clôture. Alors, ils sont montés dans la liquidité, hein, comme je vous ai dit. Hein, regardez, ils ont fait exactement ce que je vous ai dit. Ils sont allés de poche de liquidité en poche de liquidité. Bam, 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 bam. Ils ont tout explosé. Ils ont explosé toute la liquidité. C'était sûr. Moi, je suis allé manger, prendre ma douche, tout ça. Et on va finir la session tranquillement avec un petit scalp de clôture. Le but du jeu étant, sur des journées calmes comme ça, parce que c'est quand même assez calme, hein, 730 $, il y a les commissions à payer, qui sont assez chères. Hein. Surtout que là, c'est un compte prop firme, mais ils ne sont pas donnés en termes de commission. Je paye 15 à 20% de plus que sur un compte chez un broker réel. Quoi. Enfin, bref, ils sont très chers. Moi, j'imagine qu'on peut négocier quand on passe sur un vrai compte broker plus tard, quoi. Mais là, ils sont chers quand même. Donc, le but du jeu, ce serait de faire un scalp pour payer les commissions. C'est les hauts aussi. Donc, s'ils cassent les hauts, je te dis pas. Faut se méfier parce que la single, ça peut aussi arrêter les prix. Hein. Mais moi, j'ai une sensation, comme ils flottent en dessous depuis un petit moment, j'ai la sensation qu'ils vont rentrer dedans. Ça va s'arrêter à un moment donné, mais ils vont certainement rentrer un peu dedans, au moins jusqu'à la VP30 là. En plus, il y a toujours de la liquidité à exécuter, hein, et ils sont toujours sur cette dynamique d'exécution de liquidité. Là, c'est les hauts de marché, c'est peut-être un peu compliqué. C'est peut-être un peu présomptueux de ma part de rentrer là. On va voir. Pour l'instant, ça tient là.
ça tient pas du tout. C'est présomptueux. Ouais. Bah, c'est normal. Oui. Je sais pourquoi. C'est normal. Ça va retracer. Vous inquiétez pas. J'avais pas vu qu'on était cette heure-là. D'ailleurs, faut que j'achète là. Faut que j'achète. Faut que j'achète. Faut que j'achète. Voilà. Voilà. Très bien. J'ai acheté. Je suis très bien placé à l'achat. Ça va tout retracer. Et je vais pouvoir sortir avec un beau gain. Et je suis sûr qu'ils vont rentrer dans la single au final. J'avais pas vu qu'il était star là. En plus, je suis venu pour trader ça. Peu importe. Ceux qui savent, savent. Allez, c'est bon, on y va. On est parti. Pas de panique. Faut jamais paniquer. Ah là là, ça passe pas. Allez, c'est bon. On y va. On rentre dedans. Je sais que vous allez y aller. Putain. Ne me faites pas rester jusqu'à 55. Je ne veux pas être en trade pendant les 55. Allez, on y va. Allez, on soulève. Allez, on soulève, on soulève, on soulève. On fait des nouveaux plus hauts. Allez, messieurs. Allez, on y va, 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 on y va. Le trade qui paye les coms, le trade qui paye les coms. Voilà. Bon, j'ai fait une toute petite erreur, mais que j'ai gérée parce que je connais, hein. Donc, je suis venu trader la close parce que j'ai quelques bottes secrètes. Au moment de la clôture. Et j'ai pas fait attention à l'heure. Bref, enfin, je suis venu pour faire un truc et puis en fin de compte, je discutais, je faisais pas gaffe à l'heure. Peu importe, l'opportunité que j'attendais s'est créée, elle s'est présentée. J'ai, comment dirais-je, investi sur cette opportunité. En gros, pour vous faire la chose à vous plus simplement, ce balayage-là, je l'ai acheté, parce qu'il y avait 90% de chances qu'on le retrace. Ce balayage, je l'attendais. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, si vous voulez faire ma formation, n'oubliez pas qu'il y a des places encore, hein, et c'est en février. Et ça, c'est un des setups que je présente durant ma formation. Qu'est-ce que c'est que ce setup? Comment on trade? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi il faut le faire? Et tout ça. D'accord? Donc, c'est un setup parmi plein d'autres. Et donc, n'oubliez pas, j'ai encore des places. Hein, c'est en février, à Caen, du 19 février au 1er mars. Je vais mettre toutes les informations en dessous de la vidéo, là. Bon, voilà, ma session de trading, elle est terminée cette fois-ci. Attendez, ça va peut-être bouger un petit peu encore là, juste pour regarder, hein, pas pour trader. Voilà. Et là, cette fois, c'est fini. Les petites opportunités que peuvent créer certains algorithmes. Voilà. Là, c'est terminé. Les opportunités que peuvent créer certains algorithmes durant la market auction, la close, sont terminées et maintenant la clôture va se terminer tranquillement mais sûrement. Eh bien moi j'arrête maintenant, je vous souhaite, donc j'ai payé mes commissions, je suis très content, je suis à presque 1 000 $ en tout sur la journée. Moi les commissions je dois être à 800.
Je vous souhaite une bonne soirée. Cette fois-ci, c'est fini, les amis. Bisous à tous et à toutes. Abonnez-vous, commentez et n'oubliez pas, il reste quelques places réservées. Contactez-moi, le mail est en dessous. Ciao, bisous pour la formation en février. Mmh.